Est-ce que j'accélère? Oh oui. Ah oui, allez-y. Allez-y, allez-y, Harold. On est bien, Pascal. C'est complètement fou. Oui. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous arrive? Il n'est jamais là où on l'attend, mais en tout cas, il est avec nous ce matin sur le plateau de Télématin. Vous m'attendiez, je suis là. Bien sûr, on vous attendait. Bonjour, alors, monsieur Vignali. Quoi? Ça va? Vous reconnaissez un peu les lieux? Ouais, très bien, très très bien. La pluie n'aura pas ralenti Charles III pour sa journée marathon. Un périple débuté ce matin au Sénat avec un discours devant 300 parlementaires français. Une première pour un souverain britannique et l'occasion, comme la veille à Versailles, d'exprimer sa volonté de renforcer l'amitié entre les deux pays. Le haut organe qui s'allonge avec l'âge, comme le nez. Orteil. Oreille. Dans ce 6 heures info, bientôt dans 6 heures sur France 2, en ce jeudi 21 septembre. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. On a bien dormi, c'est tout. Oula. Moi très bien, puisque c'est vrai qu'on ne dort pas tous ensemble, on travaille ensemble. Il y a un siècle, pour faire court, les pauvres ne savaient pas comment vivaient les riches. Je synthétise. Ils ne connaissaient pas l'intérieur de leur hôtel particulier.